Bonjour les amis, c'est Franck pour Créolinium.fr, la chaîne sans langue de bois. Alors, aujourd'hui, petite vidéo sur la réalisation d'une table de défonceuse. Rien de compliqué, c'est à la portée de tout le monde, faut juste être méticuleux. Voilà, allez, bon vidéogramme les amis. Thank you.
Alors pourquoi j'ai mis ces quatre petites équerres à chaque angle de ma découpe? Bah, c'est simple, c'est ce qui va permettre de niveler parfaitement ma plaque par rapport à la table pour qu'elle soit parfaitement à fleur. J'aurais pu m'en passer, mais je trouvais ça assez sympa le fait de pouvoir régler aux petits oignons la hauteur de sa plaque de défonceuse. Alors, je mets sa plaque. Donc vous mettez vos pipiou dans les trous prévus à cet effet. Alors, il y a l'empreinte de la clé 6 pans. Bien sûr, vous la mettez en dessous, bah, pas comme je viens de faire d'ailleurs. Ah bah si, je l'avais bien mis. Donc vous mettez ces petits pipiou, proxo merdo. Ce qui est bien, c'est qu'il y a du frein filet, donc avec les vibrations de la défonceuse, ça ne pourra pas se défaire. C'est assez bien pensé. J'aurais pu faire exactement le même système avec du do-it-yourself. Do-it-yourself ? C'est comme ça qu'est-ce qu'on dit ? Ouais, enfin bref, j'aurais pu le faire moi-même. Mais j'aime bien me faire chier, mais pas à ce point-là, quoi. Et d'autant plus que ça vaut pas grand chose, ça vaut 16 balles sur Amazon. Vous rajoutez 2 euros de frais de port, ça vous fait le truc à 18 balles. C'est pas excessif. Ça vous fait gagner un certain temps. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre les deux à chaque équerre, vous pouvez en mettre qu'un hein, si vous voulez, c'est pas un souci. Hein. Il y a 3 trous. Moi ils sont là, je les mets. Ça m'évitera de les paumer, de les mettre dans un tiroir. J'ai déjà beaucoup de tiroirs. Voilà, vous voyez, ça va être le moyen rapide de régler le niveau de cette plaque. On commence à mettre les petits boulons. Et c'est parti, on va jouer de la clé à l'aide pour ramener la hauteur, compenser la hauteur. Super rapide et super efficace de le faire. Fallait y penser, les Américains sont quand même balèzes, il n'y a pas à chier. Ah oui, alors bien sûr, oui, c'est, j'ai oublié de vous préciser. C'est ça, il fallait remettre un petit coup de... de tournevis pour revenir plaquer la table. Oh la vache. Je crois que j'aurais pas pu avoir ce niveau de précision en le faisant à la main sans rien. C'est quand même bien pensé. Bravo Craig pour ce truc là. Alors Craig fait des super trucs, en l'occurrence ça, mais fait des super merdes, enfin super merdes. Non, je vais pas dire que c'est de la merde, parce que je vais m'attirer les foudres de certains qui jurent que par les systèmes de vis biaise, là, K4, vous savez là. Les trucs pour pseudo menuisier. Voilà, un menuisier ça travaille
avec des assemblages traditionnels, tenons mortaise ou queue d'aronde, etc. Mais pas que ces conneries de gabarit à la con. Ces gabarits nous font perdre notre savoir-faire. Et comme j'aime pas ça, eh ben je travaille pas avec. Et que ça déplaise à certains, je m'en tape le coquillard. Alors voilà, j'ai fait toutes mes rainures pour accueillir tous mes rails. Donc, les joies de la défonceuse, c'est que ça rentre parfaitement là où on veut que ça rentre. Faut-il encore savoir s'en servir. Ensuite, donc là c'est le rail qui va accueillir par exemple les presseurs de sécurité, les featherboards, comme ils disent chez nos amis les Américains. C'est assez sympa, c'est bien pratique, ça peut vous sauver les doigts. Donc, moi j'aime bien. Vous aurez tous compris le principe. D'ailleurs, je crois que je l'ai mis à l'envers. Donc, ouais, c'est pas grave. Ensuite, les rails pour venir faire coulisser le guide parallèle. Je sais pas si je vais arrondir ma ferraille ou découper tout doucement au ciseau pour venir équarrir ma rainure. J'hésite, beaucoup d'hésitation, mais en tout cas le résultat est pour l'instant plus qu'honorable. Je suis assez content de moi, c'est rare, je tiens à le préciser. Il va falloir que je reperce un petit trou ici pour fixer mon rail parfaitement. Je ne sais pas si je vais le coller et le visser ou simplement le visser. J'hésite encore, pareil pour ces rails là. Mais en tout cas, c'est pas mal. Voilà. Alors, comme je vous le disais, mes rails sont installés. Pourquoi j'ai choisi cette marque-là? Alors, c'est-à-dire la marque, c'est Incra. C'est la marque la plus connue. Leur contrôle qualité est plus que poussé. Leur rail, quand il marque 48 mm, c'est bien 48 mm. Il n'y a pas de jeu possible. C'est complètement versatile avec tout ce que fabrique Incra. C'est-à-dire que tous les accessoires Incra vont aller dans ces rails-là. Ensuite, c'est solide, c'est beau. C'est certes un peu cher, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Après, je vous marquerai toutes les références que j'ai achetées, je les ai bien achetées, hein, je précise, dans la description de la vidéo.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai acheté un meter slide SE. Alors, le meter slide SE, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une tige métallique avec plusieurs pas de vis, trou fileté, pardon, qui vient s'encastrer dans la grosse rainure. Il y a des patins en téflon coupés. Ça sert à venir compenser le jeu. Donc, c'est-à-dire que vous allez serrer les petites clés Allen là, ça va venir compenser le jeu par rapport à la rainure. Donc, ça coulissera parce que c'est du téflon, mais vous n'aurez pas le jeu que vous entendez ici. Je pense que vous avez compris le principe de fonctionnement. Vous vissez un gabarit là-dessus, un contreplaqué par exemple. Je fais bien la défonceuse là. Ok, ça c'est compris. Je vous répète, je mettrai les références dans la description de la vidéo. Si vous avez 3-4 minutes à perdre, allez sur leur site. Il y a plein de trucs sympas et qui font rêver. Mais bon, malheureusement, les frais de port sont horribles. Alors oui, j'ai oublié de vous dire un truc. J'ai acheté ces rails sur une boutique en ligne en Hollande. Le néerlandais, c'est pas mon fort, donc je vais pas vous donner le nom parce que c'est incompréhensible et c'est imprononçable pour moi. Toujours pareil dans la description de la vidéo. Voilà. Du coup, je me retrouve sur la même table de défonceuse. C'est la fin de cette première partie sur la réalisation d'une table de défonceuse. Dans la deuxième partie, vous verrez comment je réalise le guide. Bon, je pense que tout le monde a compris. Hein. Encore une fois, rien de compliqué. C'est pour toujours à la portée de tout le monde. Rien de spécial. A bientôt les amis. C'était Franck pour Créolinium.fr. Et surtout, si tu veux gagner un sac de copeaux, abonne-toi à la chaîne.